À notre époque, proche de la venue du Messie, déferle un vent d'hérésie annoncé par beaucoup de nos maîtres, entre autres le Baal Shem Tov et son arrière-petit-fils, Rabbi Nachman de Breslev. La raison, le rationnel, le savoir, la technologie et les progrès de la communication voilent jusqu'à l'obscurcir la présence divine qu'à Dieu ne plaise. Tout se ressemble à s'y méprendre. La confusion et l'amalgame pavoisent. Le mensonge est appelé vérité. L'impureté est partout louée, recherchée. Les vrais tzadikim sont honnis ou méprisés. Les usurpateurs sont adulés et montrés en exemple. Partout règne en maître le doute, le scepticisme, les fois mensongères et la recherche de satisfaction immédiate et nuisible qui débouche sur la frustration. Et personne ne possède la boussole qui guide le vaisseau. Rabbi Nachman de Breslev, que sa mémoire soit une bénédiction, a décidé d'apporter remède à cette situation. Il a choisi, entre autres, de renforcer le pilier principal du judaïsme, la foi en Dieu et en ses sages véritables. C'est pourquoi, en 1922, 180 ans après sa disparition, il envoie par voie surnaturelle une lettre à un élève anonyme choisi pour sa modestie extrême et son service divin exemplaire. Cet élève qui reçoit la lettre merveilleuse de Rabbi Nachman se nomme Israël Dov Odesser. Et la lettre, celui-ci l'appelle avec simplicité Pétek, en français petite feuille de papier surnaturel et modestie. Cette missive posthume de Rabbi Nachman contient d'énormes secrets de la Kabbale et des révélations indispensables pour la venue du Messie. Elle est paraphée de la signature ésotérique de Rabbi Nachman, qui est son nom, décliné et associé au nom de Dieu, Na-Nach, Nachma, Nachman Meuman. Ce nom sacré est un remède mystique puissant qui a fait ses preuves. C'est aussi le secret des 10 mélodies, le seul traitement pour guérir la princesse qui est l'assemblée d'Israël, malade à cause de ses fautes, en particulier les péchés sexuels. Le nom du tzaddik, associé au nom de Dieu, forme le fameux chant nouveau dont parle le Tikkoné Zohar et qui amènera le règne du Messie. Ce chant nouveau est l'étape et l'instrument par lequel le monde entier passera du stade de nature au stade merveilleux de providence, où tout est conduit de manière dévoilée et miraculeuse par la providence divine. Rabbi Israël garde le pétek secret durant 60 ans.
Ce n'est que vers la fin de sa vie, à 95 ans, qu'il reçoit l'autorisation de le dévoiler au monde. Comme son vénéré maître Rabbi Nachman, Rabbi Israël Dov a vécu toute sa vie à contre-courant, cherchant à s'éloigner du mensonge, de la duplicité, des modes, et s'arroguant contre un prix élevé, une indépendance totale d'opinion, très loin des sentiers battus. Il a eu une enfance difficile. Il a enduré des souffrances amères. Il a connu la faim, la soif, le deuil, le dénuement absolu, lui et sa nombreuse famille. Il a été poursuivi par ses contemporains et a vécu en paria pour le seul fait d'être devenu Breslev. Il a tout accepté, cependant, avec amour et bon cœur, en s'efforçant surtout de rester toujours joyeux et optimiste. Dès son jeune âge, Rabbi Israël Dov a vaincu son mauvais penchant après des luttes acharnées. Il s'est affranchi des pulsions et des désirs du corps. Avec le temps, il a mérité des perceptions divines éthérées, des pouvoirs secrets, le don de prophétie. Bref, il s'est uni, corps et âme, au souffle saint de son maître Rabbi Nachman, qu'il a recherché toute sa vie. Malgré son immense niveau spirituel, Rabbi Israël Dov est resté, jusqu'à sa dernière heure, simple, modeste et tout occupé à aider les autres de toutes ses forces. Mais sa simplicité est une simplicité travaillée, méritée et obtenue après beaucoup, beaucoup de travail spirituel et de souffrance. Il a cherché à faciliter la venue du Mashiach et a déclaré qu'un des secrets du Pétèque est la révélation que la délivrance messianique viendra grâce à l'impression et à la diffusion des œuvres de Rabbi Nachman à grande échelle. Ce tzaddik que vous allez approcher au fil de ces histoires saintes n'a rien de commun avec ce que vous connaissez des tzaddikim. Il est souvent en dehors des normes habituelles, en dehors des convenances de bon ton, toujours extérieur à l'hypocrisie, au formalisme surfait, toujours étranger à la duplicité, au mensonge, à la supercherie. Il s'agit d'un tzaddik hors du commun, qui a vécu toute sa vie en cachant sa grandeur, dissimulant ses pouvoirs, la force de ses bénédictions, le poids de ses prières. Nul ne soupçonnait en le voyant l'ampleur de son niveau spirituel, l'étendue de ses perceptions divines, sa force d'analyse, le degré de ses connaissances en Torah dévoilée comme en Torah ésotérique. Dans les récits qui vont suivre, jamais il n'apparaît comme le héros d'une histoire, toujours apparemment en retrait, toujours apparemment comme suivant les événements, lui qui souvent les façonnait par sa prière. Il était bien au-dessus du niveau du simple tzaddik. Il était un homme qui a transformé ses composants humains en spiritualité pure. Un tzaddik sur lequel le monde repose au sens propre. Ce qu'il voyait n'était pas ce que l'on voit. Ce qu'il entendait n'était pas ce que l'on écoute. Il vivait dans une autre dimension que la nôtre. Pourtant, bien que vivant en dehors du monde des personnes ordinaires, son esprit de sacrifice pour les autres, son don de soi à toutes occasions, ont marqué plusieurs générations puisqu'il a vécu plus que centenaires. Ce tzaddik, vous le découvrirez au fil d'histoires qui ont concerné plusieurs camarades qui se rapprochèrent de lui autour d'un projet simple, la délivrance complète du peuple juif
la Géoula. Tout simplement, par ces récits, vous aurez la possibilité de suivre pas à pas, seconde après seconde, la vie au quotidien d'un géant du judaïsme qui se comporte apparemment comme un homme ordinaire. Ces histoires concernant le saint maître du Pétek ne sont pas comme les autres histoires de Tzadikim. Ici, tout ne se termine pas forcément en happy end. Ici, le caché l'emporte sur le dévoilé. Ici, le Tzadik descend dans la vie des gens. Il les accompagne. Il souffre avec eux. Ici, tout est vrai. Vrai comme le héros de ces histoires. Oui, la vérité de Rabbi Israël Dov est terrible, implacable. Toujours authentique et sans compromission aucune. Ici, le tzaddik ne se contente pas de donner sa bénédiction, comme le ferait un distributeur automatique où l'on paie et où l'on reçoit ce que l'on a demandé, tout en restant le même. Ici, l'action du tzaddik change la personne, souvent en profondeur. Ici, l'argent n'a pas de valeur. Rabbi Israël Dov pulvérise tous les mensonges, les duplicités, les faux-semblants. Bien que toute sa vie fuyant les honneurs et la notoriété, l'ont fréquenté sans qu'il le recherche plusieurs tzadikim, de grands rabbadim, des intellectuels et écrivains de premier plan, des hommes politiques du sommet du pouvoir, tentant de se désaltérer à la fraîcheur de quelques gouttes de sa sagesse. Mais pour lui, le poste social, le statut mondain, la position dans la société n'avaient aucune importance. On porte ce que l'on porte, comme il est allusionné dans les contes de Rabbi Nachman. Il aidait également le riche comme le pauvre. Sa bonne humeur et son rire de tous les instants sont devenus légendaires et ont fait le tour de la terre. Tout en inscrivant son nom dans l'histoire de la Géoula, Rabbi Israël Dov aide, conseille, dirige, détermine dans des sujets banaux de la vie de tous les jours. Il corrige les âmes, les trous, les actes manqués de beaucoup, sans y paraître. Nous l'avons connu en 1983, presque 10 ans avant sa disparition, et nous vous livrons ici quelques anecdotes et histoires saintes qui le concernent, et qui toutes ont été vérifiées dans le détail. Vous vous ferez votre opinion personnelle à la lumière des faits eux-mêmes. Le chant de Rabbi Nachman s'éveillera, porté par une mélodie sublime dont il est impossible pour nous actuellement d'imaginer la beauté ineffable. Seuls les très grands tzadikim qui ont vécu les limites de leur sens et de leur pulsion d'homme peuvent le percevoir. Rabbi Israël, qui lui-même a reçu ce chant, inscrit dans le Pétek, on a entendu aussi la mélodie lumineuse. Sa beauté a le pouvoir de tout abolir et de faire tout retourner à sa source, qui est le Créateur et sa voix, qui est le chant et sa mélodie tout ensemble, avec laquelle il a créé le monde. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'en fus rempli de crainte. Se rapprocher des tzadikim est bon pour ce monde et bon pour le monde futur. Sefer Amidot.